J'ai lancé un. Tu vois? J'ai lancé un.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous, avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bienvenue pour cette messe unique dans l'année, la messe chrismale, celle où nous bénissons les huiles, celle où les prêtres et les diacres renouvellent leurs promesses. Bienvenue à vous qui êtes dans la cathédrale, bienvenue aux catéchumènes. Soyez heureux d'être parmi nous, d'assister à cette huile que vous avez déjà reçue et celle que vous allez recevoir. Je salue avec joie tous ceux qui nous rejoignent sur la web TV du diocèse et ceux qui nous écoutent sur RCF, sur les ondes. Merci à la technique et surtout à celui qui nous aide à ce que cette messe soit partagée le plus possible. Alors vous savez qu'à chaque messe chrismale, nous honorons ceux qui célèbrent un jubilé. Alors je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Mgr Gilles Bellouis pour ses 25 ans d'épiscopat. Où est-ce qu'il est, notre frère? Il est à ma droite, voilà. Voilà. Nous regrettons qu'il ne soit pas parmi nous, mais pour ses 70 ans de presbytérat, Raymond Lemaître, qui est à Carouge. De même, pour ses 60 ans, le père Roch-André Griset, qui est à Saint-Orthaire, hein, servite. Parmi nous se trouvent Jean-Claude Poisson et l'abbé Jacques Roger, tous les deux 50 ans de ministère. Où est-ce qu'ils sont, nos jubilaires? Voilà. Il y a celui que vous connaissez, mais qui habite Limoges, Pierre-Antoine Bozo, qui est originaire du diocèse, 30 ans de ministère presbytéral, et l'abbé Jean-Patrick Ferret à La Brardière. Pour leurs 25 ans, nous saluons l'abbé Denis Durand, Pascal Durand et Don Stéphane Pellissier, qui est lui à Montligion. Voilà. Parmi nous, il y a l'abbé Joseph Kazadi, qui vient du Congo, et l'abbé Christophe Péché, qui est chez nous, pour 20 ans d'ordination. Voilà. Ils sont là. Et enfin, nous n'oublierons pas le plus jeune jubilaire, 10 ans d'ordination, l'abbé Laurent Gatineau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les diacres. Et parmi les diacres, il y en a qui fêtent leurs 25 ans d'ordination. Je cite Patrice Firmin, Jean-Marc Gagé et Jean Le Courvoisier. Je ne sais pas où ils sont, mais voilà. Voilà, et bienvenue, je le disais tout à l'heure, aux catéchumènes qui seront baptisés dans quelques jours pendant la nuit de Pâques et aux confirmants, jeunes et adultes, qui seront confirmés la veille de la Pentecôte. Voilà, cette grande liturgie où nous allons réentendre, au fond, l'accomplissement de la parole de Dieu en Jésus. C'est lui qui le dira lui-même, nous l'écouterons. Nous nous préparons à vivre ce temps en demandant au Seigneur de nous ouvrir un cœur disponible à sa parole, disponible pour le pain de vie, pour la grâce qu'il veut nous donner. Nous implorons sa miséricorde les uns pour les autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. J'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Son, qui rit, il est son.
Notre Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et tu l'as établi Christ et Seigneur. Nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordé par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. Et on vous dira, servant de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Envoyez porter la bonne nouvelle aux pauvres. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération » et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, vous le savez, depuis 2 ans, notre diocèse réfléchit, médite, travaille
à la manière de recevoir et de vivre sa mission fondamentale, à savoir de vivre de l'Évangile et d'en témoigner concrètement. Ce n'est pas un petit travail qui a été accompli grâce à l'engagement de l'équipe C2024 en particulier, mais aussi de vous tous, dans ce que nous appelons désormais les 5 espaces missionnaires. De nombreuses consultations ont été faites, à commencer par chacun d'entre vous qui est engagé dans la vie chrétienne. Mais nous avons entendu aussi des spécialistes du droit de l'Église, des théologiens et des évêques de France. Même à Rome, où j'étais au début de ce mois, j'ai aussi rencontré le dicastère pour les évêques et celui pour le clergé. Alors pour le dire simplement, nulle part je n'ai trouvé d'avis unanime sur la façon de recomposer un diocèse. Il me faudra donc prendre mes responsabilités pour qu'en définitive, tous ceux qui portent l'activité pastorale, prêtres, diacres, fidèles laïcs, nous tous, en résumé, que nous puissions goûter la joie de la mission et avoir du souffle pour l'accomplir. Cette décision n'interviendra pas avant le 15 avril, car il me faut encore consulter le conseil presbytéral, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres du diocèse. Nous nous rencontrerons le 12 avril prochain et je vous invite à prier pour nous tous. Je voudrais seulement citer ici quelques lignes d'un livre du futur cardinal François Bustillot à propos de la vocation du prêtre face aux crises que chaque prêtre du diocèse a reçu ce Noël dernier. On en a parlé cet après-midi. Mais je ne leur ai pas dit, moi, quelles étaient les lignes que je retenais. Je vais en citer quelques-unes tirées des pages 203-204, si vous vouliez les retrouver. Je cite. « Notre Église, pauvre de moyens et en chiffres, doit réveiller la créativité et la sérénité de la foi. Là où nous voyons des impasses, Jésus ouvre des passages. » Il poursuit. « Il y a des moments dans l'histoire où il est vital d'explorer de nouvelles voies pour agir et vivre différemment, où l'imagination est plus importante que le savoir. » Je cite encore, « Le règne de Jésus n'est pas le règne de la médiocrité ou de l'immobilisme. L'Esprit Saint, depuis la Pentecôte, nous visite avec force pour éviter que nous ne sombrions dans une médiocrité stérile. Il fait sauter les fenêtres verrouillées, les portes verrouillées, et les cœurs verrouillés pour que l'action de l'Église sorte de la peur ou du complexe de l'incapacité et annonce la bonne nouvelle. » Fin de citation. On voit l'orientation du cardinal. Alors mon désir le plus profond, c'est que nous trouvions une manière de vivre en diocèse qui réveille et même qui libère en chacun de nous la grâce de notre baptême et les promesses de nos engagements. Alors à propos de ces engagements, chers frères prêtres, dans quelques instants, je vous demanderai si vous voulez toujours être les fidèles intendants des mystères de Dieu, en particulier à travers la célébration des sacrements de l'Eucharistie et celui de la miséricorde du Père. Être de ces intendants qui n'enfouissent pas les talents que le Seigneur vous a confiés, mais au contraire, les investissent avec les équipes qui vous accompagnent au service du peuple de Dieu qui vous est confié. Chers frères diacres, après le Notre Père, je vous demanderai si vous voulez toujours marcher à la suite du Christ serviteur qui s'est fait proche des plus pauvres. Le Seigneur savait voir la foi de ces hommes et de ces femmes là où les responsables du peuple de Dieu d'alors ne voyaient dans leur maladie que le reflet du péché. Vous nous aiderez à voir leur foi. Chers frères et sœurs, vous tous qui êtes baptisés, je sais que vous ne vous contentez pas de prier pour nous, comme je vous le demanderai tout à l'heure. Je voudrais d'abord vous dire ma gratitude pour le temps que vous passez dans les nombreuses équipes du diocèse et pour votre générosité. Et c'est tous ensemble que nous faisons Église, unis par la grâce de la foi, au pape et à tous les évêques. Je souhaiterais enfin évoquer ici la question des vocations, car on peut
penser à réorganiser notre diocèse, car nous voyons que nous allons manquer de prêtres, singulièrement dans les années qui viennent, mais il faut aussi songer à appeler. Donc je vous rappelle que non seulement les vocations presbytérales manquent, mais aussi les vocations religieuses, au diaconat, au mariage chrétien, qu'il faut aussi encourager. Et la manière dont nous vivrons notre foi demain et la façon dont les prêtres exerceront leur ministère sont des éléments indispensables pour rendre crédible et donner le désir et le goût que d'autres deviennent prêtres, diacres, ou choisissent de célébrer le mariage sous le regard de Dieu. Mais pour en venir aux vocations de prêtres, tout spécialement, il y a 2 ans, j'avais sollicité dans le diocèse un élan pour prier et appeler des hommes à la vie de prêtres diocésains. Une 20aine de noms m'avaient été remontés, de jeunes et de moins jeunes. Pour l'instant, cela n'a pas produit de fruits visibles. Peut-être que ça travaille les cœurs. Ça travaille aussi ceux qui ont appelé. Mais je vous invite à garder cette culture de la prière et de l'appel pour la cause de l'Évangile. Et donc, je vous rappelle les 5 critères pour discerner qui pourrait être appelé. Il s'agit tout d'abord d'hommes de bonne réputation, remplis d'Esprit Saint, reconnus pour leur sagesse et vivant le célibat de manière paisible. Il faut le faire dans un esprit de prière, évidemment, en se mettant sous le regard du Saint-Esprit, et puis de discerner de manière responsable, car vous aussi vous bénéficiez de l'Esprit Saint et de la sagesse des hommes, de me dire, de me transmettre les noms de ceux-là que vous auriez pu discerner. Et avec le délégué au service des vocations, le père Pierrick Arrivel, eh bien nous les rencontrerons et nous appellerons en leur disant que les communautés chrétiennes ont estimé qu'ils avaient les aptitudes requises pour être prêtres. Et nous verrons bien. Ouvrir une porte, ce n'est pas obligé à la franchir, mais il faut continuer d'appeler. Car nous avons vraiment besoin de prêtres qui célébreront pour nous l'Eucharistie et qui donneront la grâce du pardon de Dieu. Le voir célébrer, c'est beaucoup, le faire, c'est encore mieux. Alors, chers frères et sœurs, les huiles que je vais bénir et que ces prêtres, et les diacres aussi, utilisent selon les sacrements qu'ils célèbrent, eh bien, sont le signe de la force que Dieu veut donner à chacun et de la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Que ce soit à la veille de notre baptême ou dans la maladie, au moment ou encore au moment de l'engagement de notre vie à la suite du Christ par la confirmation ou encore dans le sacrement de l'ordre, eh bien, ces huiles sont précieuses. Des huiles pour la force, des huiles pour l'engagement. Alors peut-être que tout le monde n'a pas reçu l'huile des catéchumènes ou celle des malades, mais nous sommes tous, normalement, appelés à recevoir l'huile du Saint-Crème. Et beaucoup l'ont reçue. Et bien que cette onction reçue au nom de Dieu nous aide à vivre fraternellement. Car cette fraternité que nous avons à vivre entre nous, c'est la première image que les gens rencontrent de notre Église. C'est cela qu'ils éprouvent en premier, si vraiment nous vivons ce que nous disons. Et donc, je ne peux que vous inviter à creuser cette qualité fraternelle de notre vie, car c'est cela qui rend l'Église attractif. Et chez Sainte Thérèse, elle dit bien, elle prie Jésus au soir de sa vie, et elle dit « Attirez-moi au parfum de votre vie ». Voilà, elle demande à Jésus d'être de l'attirer. Et il faut que notre qualité fraternelle soit attractive. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Je prie pour cela, pour chacun de nous, pour que nous soyons ceux qui donnent le goût d'aimer le Christ et de marcher à sa suite.
Je voudrais m'adresser au prêtre. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun de nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler, en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? Et vous, frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui l'unique source du salut. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, que lui-même nous conduise, pasteurs et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Amen.
Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils guérir nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple, tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués, recevant de toi intelligence et énergie. Ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils adoptifs, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Souffle
Dieu, de qui viennent toute croissance, nous prions, toi qui es le Père Tout-Puissant, de bénir cette huile parfumée et de la sanctifier, afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent capables d'obtenir le salut. Seigneur notre Dieu, toi de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier, parmi toutes les plantes, dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore. Lorsque ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui, à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi, d'une manière éclatante, que se réalisait la prophétie de David, il sera consacré d'une onction de joie comme aucun de ses semblables. Aussi nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et cette huile que tu as créée, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de saint crème, pénètre-la de la force de l'Esprit dont tu as prégné pour ton service, prêtres, rois et prophètes et martyrs. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qu'il les fasse participer à la vie et communier à la gloire du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous qui avons reçu le baptême, la confirmation, relevons nos fronts déjà marqués par le saint crème et rendons grâce à Dieu. Notre Père, gloire à toi. Et vous, chers frères prêtres, ouvrez vos mains, ces mains qui ont été consacrées avec le Saint-Crème le jour de votre ordination, et rendez grâce pour le sacerdoce que vous avez reçu. Nous te rendons grâce, notre Père, gloire à toi.
Chers amis, je suis Xavier, je suis votre nouvel économe, le nouvel économe du diocèse. Ça fait 5 semaines, donc je suis un bébé économe. Voilà, et en fait, dans notre assemblée, il y a plusieurs membres de mon équipe. Et cette équipe, en fait, elle est au service de l'ensemble de la pastorale du diocèse. Donc nous sommes tous au service de notre Église. L'économat diocésain, c'est bien sûr la partie financière du diocèse, mais c'est aussi toute la gestion juridique, immobilière, etc. Tous les moyens qui nous permettent de diffuser la bonne nouvelle. Voilà, donc il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de membrane entre l'économat et la pastorale. Il y a vraiment quelque chose de très uni. Et à ce titre, nous sommes tous appelés à donner pour notre Église les moyens qu'il lui faut pour, comme le disait Monseigneur dans son homélie, accomplir sa mission de témoin d'évangélisation, de porter la bonne nouvelle. Et pour ceci, il y a besoin d'un certain nombre de moyens. Et parmi ces moyens, il y a évidemment notre argent. Alors je suis content d'entendre, vous avez devant vous un sourire, un visage souriant, qui entend le doux froufrou de vos mains qui se glissent dans vos poches pour pouvoir amener jusqu'aux paniers qui vous sont tendus ou aux paniers connectés, ce qui le permettra de se remplir. Voilà, et bien reclarifier que, en fait, toute notre Église est d'abord au service de la mission, nous qui sommes engagés au sein du diocèse avec toutes les équipes, mais vous aussi en tant que fidèles, autant que nous, avec tout ce que nous apportons comme moyens les uns les autres. Thank you.
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, trouve grâce devant Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur. Pour ta gloire et notre salut, de toucher à notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mmh.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. » En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque ici présent, Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout particulièrement pour l'abbé Guy Hubert, l'abbé Charles Marchand, l'abbé Michel Hardy, l'abbé Henri de Rouet, le frère Claude Bocquignon et notre frère Gérard Boisgontier, qui célébrerait ces 50 ans d'ordination. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu.
ainsi que nous l'avons reçu du Sauveur et selon son commandement, soutenu du Saint-Esprit, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et je me tourne vers vous, frère diacre. Chers frères diacres, bientôt nous commémorerons le lavement des pieds que Jésus donna en exemple à ses disciples pour qu'ils fassent de même. Voulez-vous aujourd'hui, en union avec votre évêque et devant le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris le jour de votre ordination? Oui, je le veux. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèle aux engagements attachés au ministère que vous avez reçu par amour du Christ et pour le service de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous, à la suite du Christ serviteur, garder fidèlement le mystère de la foi et annoncer la parole de Dieu dans la charité et la simplicité du cœur? Oui, je le veux. Et vous tous, chers frères et sœurs, ici rassemblés, priez pour les diacres de notre diocèse, qu'ils vous aident à imiter le Seigneur Jésus, lui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et j'invite les diacres à donner la paix dans toute l'Assemblée. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je le serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour notre démarche de communion, merci d'attendre que les enfants de cœur, les prêtres et diacres qui donnent la communion soient en place. Il y aura un poste de communion en haut des bas-côtés, au milieu de la nef et en haut de la nef.
Rassemblons nos prières. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, donne à ceux que tu as fortifiés par tes sacrements d'être au milieu du monde la bonne odeur du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, avant de donner la parole au vicaire général, deux informations. La première, c'est que je voudrais accueillir un nouveau diacre dans le diocèse de C. Il s'appelle Vincent Deschamps et son épouse Patricia. Je ne sais pas où elle est, Patricia, elle est juste derrière. Voilà, bienvenue. Qu'on vous voit au moins une fois. Voilà, ils habitent dans le Perche désormais et ils nous arrivent de Paris. Voilà, bienvenue à Vincent. Et son épouse Patricia. Voilà, ils habitent Nocé. Et on les verra de temps en temps, Vincent, entre autres, dans une mission où il participera au Conseil diocésain aux affaires économiques. On le remercie. Et puis, j'ai oublié, c'est de mentionner le départ de notre frère Jean-Marie Poussin, qui est diacre du diocèse, qui est décédé il y a quelques jours et dont l'inhumation sera célébrée demain à 14h à la basilique d'Alençon. Bien sûr, je pense que beaucoup de nos frères diacres y seront. Moi-même, je présiderai. Nous portons Christine, son épouse, dans notre prière. Et nous nous portons les uns les autres dans la prière. Je laisse la parole au vicaire général. Oulala. Bien, avec notre évêque, et puis avec tous présents ici dans cette... Oui, asseyez-vous, ce sera mieux. Avec notre évêque, avec vous tous ici présents dans la cathédrale, de tous âges, et le père Benjamin me dit, tu n'oublieras pas de mentionner la présence des jeunes de Giel, c'est fait. Avec aussi vous tous, amis qui avez suivi cette célébration, cette messe chrismale par la Web TV, que soient remerciées toutes celles et tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, visible ou dans l'ombre, ont préparé, animé cette journée de rencontre du presbytérium qui a commencé ce midi à la Miséricorde, enfin en fin de matinée, cette messe chrismale et puis le repas fraternel qui se poursuivra à la Providence. Que tous vous soyez remerciés. Les huiles consacrées en cette messe chrismale vont maintenant rejoindre nos paroisses, communautés monastiques et contemplatives, aumôneries d'hôpital, maisons de retraite dans tout le diocèse. Elles marqueront les nouveaux baptisés, les confirmés, les catéchumènes et soutiendront nos frères et sœurs affrontés à la preuve de la maladie, du grand âge ou du passage. Dans la nuit de Pâques, nous aurons la grâce de vivre dans notre église diocésaine le baptême de 32 adultes, sans oublier le dimanche matin de Pâques, au centre de détention d'Argentan, le baptême d'un détenu. Sans oublier aussi des jeunes qui seront baptisés à la veille pascale, le jour de Pâques ou pendant tout le temps pascal. L'huile Saint-Crème marquera aussi 56 adultes de notre église diocésaine qui recevront le sacrement de confirmation, comme l'a rappelé notre évêque, en la vigile de Pentecôte en cette cathédrale. Ce seront les nouveaux baptisés eucharistiés de Pâques, mais aussi avec eux 24 autres adultes. Que soient remerciés tous ceux et toutes celles qui, depuis plus d'un an, deux ans, avec le service diocésain du catéchuménat, les ont accompagnés. Et amis catéchumènes qui êtes présents ici ou de cœur avec nous, nous vous accompagnons de notre prière fraternelle jusqu'à la veillée pascale. Amis les paroisses, vous n'oublierez pas de prendre des documents qui attendent à la place habituelle. Et puis, certains d'entre nous allons nous retrouver
chez les Sœurs de la Providence. L'an dernier, j'avais fait un songe, un rêve dans la nuit, qu'on prenne le temps de ne pas commencer sans que le dernier soit arrivé, au moins que la plupart des personnes soient arrivées. Ça a marché. Génial. Ça veut dire que cette année, ça va continuer de marcher. Voilà. Nous attendons, voilà, qu'on soit tous arrivés pour prendre ensemble le repas. Il y en a qui sont plus lents. Il y en a qui sont des retardataires, notamment le vicaire général. Merci. Heureusement qu'il est là parce que j'oublierai sûrement des choses. Nous recevons la bénédiction de Dieu, qu'elle s'étende sur spécialement aujourd'hui tous les prêtres, tous les diacres et tous ceux qui entendent l'appel à la vocation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.